Bonjour à tous, ici Adrien D à nouveau, ce lundi 10 octobre 2016. Bon, c'est la deuxième fois, je vous cache pas, hein, que j'enregistre cette vidéo sur la présentation des enfin, de l'environnement de bureau GNOME sous différentes distributions Linux. Voilà, je vais y arriver. Un peu du mal ce soir. Je l'enregistre déjà pour une deuxième fois parce que la première fois, j'ai pas mal bafouillé et dit pas grand-chose. Bref, je suis pas satisfait de l'enregistrement, donc je la refais. Donc, comme je l'ai dit, je vais tester l'environnement de bureau GNOME sous différentes distributions Linux que voici. Donc, je n'ai pas testé la Calculate Linux pour la simple et bonne raison, c'est que GNOME devient de plus en plus dépendant de systemd. Calculate Linux n'utilisant pas systemd, ça demande trop de travail pour proposer des binaires et des choses comme ça de GNOME. Donc, moi, j'ai pas voulu me casser non plus la tête à compiler GNOME et à bricoler GNOME sur Calculate Linux. Donc, je vais pas en parler. Je vais tester ce soir OpenSUSE 42, Leap 42.1 pour être précis, Fedora 24, Manjaro. Je reviendrai sur les petites spécificités de Manjaro, Ubuntu GNOME, Debian et Mageia. Donc, c'est parti pour, dans un premier temps, la OpenSUSE, comme d'habitude. Je vais tester quoi? Je vais tester le temps de chargement de GNOME, la RAM utilisée, le pourcentage moyen de processeurs utilisés, la version de GNOME utilisée et le thème utilisé. Donc c'est parti, on commence par OpenSUSE. Ah oui, juste je tiens quand même à préciser que je testerai GNOME. Si jamais il y a un GNOME classique, je testerai toujours le GNOME traditionnel, le GNOME comme il doit être. Et s'il existe sur Wayland, je le ferai uniquement avec X11. Donc, on va regarder déjà ce que ça vaut au niveau du temps de chargement. C'est parti. 1, 2, 3. Entre 3 et 4 secondes. Ensuite, hop, donc temps RAM. Au niveau de la RAM utilisée, donc système monitor. Donc niveau processeur, on est environ 5, 11. On va prendre une moyenne à 6%. 6% de processeur. Hop. Je refais mon tableau parce que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts par rapport à ce premier enregistrement. Au niveau de la mémoire, on est à 520 mégas. 520 mégas. Et je vais prendre pour comparer, parce qu'il va y avoir de grosses différences sur les distributions Linux, je vais prendre juste ici le processus GNOME Shell pour pouvoir faire un classement. Donc 134 MO. La version de GNOME utilisée, c'est un GNOME 3.16.2 et le thème utilisé c'est Adwaita. Si vous voulez savoir comment on sait le thème Adwaita, ça se passe en fait dans le GNOME Tweak Tool et c'est là qu'on a le thème Adwaita. Donc je vais passer à la deuxième distribution de la liste, la Fedora 24. Pour la Fedora 24, c'est une installation avec le. Donc oui, OpenSUSE, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est une installation avec le DVD. Et j'ai coché GNOME à l'install, hein, donc choix par défaut. Et j'ai fait les mises à jour en date d'hier. Pour Fedora, c'est pareil, enfin toutes les distributions sont mises à jour en date d'hier. Et donc la Fedora 24, c'est l'ISO officiel Workstation. M'étrangle. Voilà. Par contre, il y a un petit problème avec GDM. Voilà. Il faut venir et enfin, partir et s'en aller. Hop, voilà. Donc là, j'ai cliqué. Faut partir. Et faut revenir. Oh. Quel bordel il me fout là, Fedora. Voilà. Marchera jamais comme il faut ce truc. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est pareil. On a le GNOME. Classique, donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ça marche pas. Oh punaise.
Donc, je sais pas pourquoi Fedora me fait un petit caca nerveux dans VirtualBox. Alors, on va recommencer. C'est l'aléa du direct. On va essayer d'éviter d'enregistrer une troisième fois la vidéo. Je vais rester comme ça en mode fenêtré. Ça va juste pas être très pratique, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais... Ah si, attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. On va désactiver la 3D. Ah. On commence à faire comme ça, on est mal barré. Donc, si on arrive à démarrer Fedora, sinon je reprendrai les chiffres que j'ai fait dans la vidéo juste avant, mais vous pourrez pas me dire, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà. Bon, allez, on fait tout à l'aveugle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondes. On va faire à l'aveugle. Hein. Alors là, c'est sans doute un bug de VirtualBox. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc côté moniteur système ressources Fedora, on est à 4% du CPU. Au niveau de la RAM, on est à on a 1 giga. Il n'y a que 1,0 giga. On change d'unité, c'est pas bien grave. Et le processus Gnome Shell. Alors, hop là, attendez, je suis parti. Il bouffe 214 mégas. Donc, il est gourmand le coco sur Fedora. Pourtant, c'est l'environnement quand même par défaut de Fedora, hein. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas vraiment optimisé la chose. Il y a quand même un petit détail, c'est qu'on consomme beaucoup de mémoire parce qu'on a Boxes, Gnome Boxes, qui est une interface graphique à libvirt qui permet de faire des machines virtuelles avec les outils de Gnome. Donc on a tout le système derrière libvirt qui fonctionne. C'est pour ça que c'est un peu gourmand en mémoire. Donc ça, c'est une cause, mais bon, on voit quand même que Gnome Shell, à lui tout seul, il prend 214 mégas, soit 80 mégas de plus que sous OpenSUSE. Hein. Donc il est un peu obèse, le pépère. Là, on a un Gnome 3.20.2. Et le thème, c'est Adwaita. Donc on va passer sur Manjaro. Donc Manjaro, il existe une version communautaire de la Manjaro Gnome. Sauf que j'ai essayé de l'installer, mais en fait j'ai même pas pu démarrer dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une Manjaro normal et j'ai installé à la mémine le paquet Gnome et Gnome Extra. C'est pour ça qu'on a ici le LightDM. On a le LightDM parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais GDM c'est pas lancé, hein, mais on voit bien que c'est Gnome ici qui est installé. Donc voilà, l'ISO communautaire étant inutilisable, je suis passé par une installation à la main. Du coup, ça offrira peut-être une possibilité un peu plus proche de voir ce qu'on a comme type de Gnome sous Arch Linux aussi. Hein. Donc là, on va voir au niveau du chargement combien de temps ça prend également. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 secondes. Système. Ah.
Alors là, par contre, 6 thème monitor. Voilà, on va y arriver. J'aime pas trop Gnome, mais là, c'est vrai que je trouve vraiment pas ça ergonomique du tout. Alors, côté CPU, processeur, hein, on est environ à 10%. La RAM utilisée, on est à 648 MO. Et Gnome Shell, à lui tout seul, prend 167 mégas. La version de Gnome utilisée, c'est ici un Gnome 3.1.2. Et le thème utilisé, c'est Adwaita. Bon, là, on voit qu'il y a un petit bug des notifications. Dans la vidéo que j'ai enregistrée juste avant, mais que vous verrez jamais, je disais, tiens, c'est planqué au milieu, mais en fait, c'est juste parce qu'ici, il y a la barre de notification de Gnome qui est bien planquée, là. Voilà. C'était pour la petite interrogation, s'il y en a qui se posent la question. Maintenant, je vais passer sur Ubuntu Gnome. Donc, Ubuntu installé avec l'image CD Ubuntu Gnome qui existe. Oui, tu peux prendre le chocolat. Voilà. Donc là, par contre, on a un blème avec Ubuntu Gnome où il va falloir qu'on affichage, qu'on active l'accélération 3D. Sinon, il nous fait un caca nerveux. Il veut pas démarrer. Oui, on a le truc qui ressemble à ça, j'ai oublié. Et vous allez voir, là, on va voir le beau Gnome. Enfin, le beau GDM, voilà, qui se lance. Hallucinant, non? Donc là, on va se connecter en Gnome normal. Hein. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 5 secondes. Pour Ubuntu, donc système monitor. Au niveau de la RAM utilisée, allez, on va commencer par le processeur, le temps que ça se calme. On va dire environ. C'est pas facile de regarder les deux chiffres en même temps puis de faire la moyenne. Allez, on va dire. 8%, mais là c'est pas évident. Au niveau de la RAM utilisée, 968 MO, et le processus Gnome Shell à lui tout seul prend 148 MO. Je les trierai sur ce critère là aussi, en plus du critère RAM total utilisé par la distrib. Au niveau de la mémoire, enfin du de la version de Gnome, on a je sais pas quoi. Donc oui, effectivement, on savait déjà pas ce qu'on avait dans la vidéo précédente. Voilà. Ah merde. Merde, non, on n'a pas besoin de ça. DPKG-L pipe grep gnome shell. Voilà, donc on a le Gnome 3.18.5 avec le thème Adwaita. Ok. Merde, c'était pas ce raccourci là que je voulais utiliser. Hop. Oula, j'ai planté VirtualBox. Oula, j'ai planté VirtualBox. Non, c'est bon. On passe à Debian. Donc, comme vous allez sans doute vous en douter, comme dans les versions précédentes, on avait toujours ça avec Debian. On va avoir un environnement de bureau un petit peu plus vieux, mais un petit peu plus rapide, n'est-ce pas? Et qui bouffe un peu moins. Je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, 3,5 secondes. On est vraiment entre 3 et 4 secondes. Au niveau du moniteur système. Donc ressources, on est environ à 4% de processeur. La mémoire utilisée, on est à 369. C'est votre dernier mot. 369.
Méga, ouais, je retiens ça. Et le processus Gnome Shell à lui tout seul prend 76,8. Donc 77. Voilà. Et en fait, on se rend compte que ça prend pas beaucoup de mémoire parce que on a l'absence du processus Gnome Software, qui est la Logitech. Voilà. On n'a pas le Gnome Software ici. Ceci explique cela. Vous voyez, on n'a pas le Gnome logiciel. Qui du coup a toute l'infrastructure package kit derrière et des services qui sont lancés et qui bouffent de la mémoire. Vous voyez? Donc là, au niveau du GNOME utilisé, c'est un GNOME 3.14.1 avec le thème Adwaita. Et on termine la vidéo, qui j'espère va durer moins de 20 minutes. C'est cool. On termine avec Mageia. Donc Mageia, c'est installation avec le DVD. J'ai choisi environnement de bureau GNOME. J'ai quand même installé à la main le GNOME System Monitor, là le Monitor System, sinon on l'a pas. J'ai pas mis à jour Mageia, sinon si je mets à jour Mageia, ça me fait un caca nerveux et ça fonctionne plus dans VirtualBox. Mais j'ai regardé entre mai-juin 2015 et aujourd'hui que Mageia 5 est sorti, le GNOME n'a pas été mis à jour dans les dépôts. Donc même si j'ai pas mis à jour, on a exactement la même version de GNOME. Voilà, et du coup j'ai oublié de compter le temps de chargement de du truc. Voilà. C'est pas grave, hein, je relance. On commence hein, quand on fait n'importe quoi. Donc, je suis désolé si je suis pas très à l'aise avec GNOME, mais en fait j'aime pas du tout cet environnement de bureau, je le trouve pas du tout ergonomique. Donc j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans les trucs. Donc là on va compter pareil le démarrage de GNOME, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 secondes. Voilà. System Monitor donc, que j'ai installé. Donc ici au niveau des ressources utilisées, on est à environ 4%. Pareil. La mémoire utilisée, on est à 400. Ça monte, ça descend. Allez, 454. Je prends ce chiffre-là. Et puis, le processus Gnome Shell prend 67 mégas. Au niveau de... Donc là, on constate aussi qu'on consomme moins de mémoire, mais c'est parce que Mageia, utilisant son centre de contrôle de Mageia, on n'a pas toute l'infrastructure package kit derrière et compagnie avec GNOME logiciel. Voilà. Ceci explique tout. Et il faut dire que GNOME logiciel en version 3.14.2 n'existait pas. Donc c'est pour ça que c'est aussi plus léger. Vous voyez? Donc, ce petit papier-là, j'en ai plus besoin, vu que c'était mon ancien thème. Mon ancien test. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Eh bien, on peut dire déjà qu'au niveau thème, toutes les distributions proposent le thème par défaut de GNOME, qui est Adwaita. Le temps de chargement, bon, c'est pas extrêmement rapide, mais c'est pas extrêmement long non plus. Hein. On est sur les vieilles versions de GNOME, on est à 3 secondes, 4 secondes. Si OpenSUSE, quand même, hein, GNOME 3.16, on a 4 secondes de chargement. Après Ubuntu, 5 secondes de chargement pour un GNOME 3.18, et puis Fedora et Manjaro mettent 7 secondes à démarrer pour GNOME 3.20. Donc globalement, ce que je peux dire, c'est que plus le GNOME est récent, plus il met du temps à se charger. Donc je ne suis pas pressé de voir GNOME 3.22 arriver. Côté mémoire utilisée, ben, on voit que c'est pareil. Hein. Plus le GNOME est vieux, plus il prend de la mémoire. Et c'est à peu près pareil pour l'utilisation du processeur, sauf Fedora qui est à environ 4% pour un GNOME très récent, alors que Manjaro a 10% pour un GNOME très très récent. Donc pour conclure de manière très rapide, hein, sur les distributions testées, on a vraiment des versions différentes de GNOME, donc ça rend aussi le test intéressant, parce qu'on peut voir aussi l'évolution des performances de GNOME dans le temps. Et pour résumer de manière très brève et très rapide, on peut dire que plus les versions de GNOME progressent, plus il est long à charger et plus il consomme de la RAM. Voilà, c'est la conclusion que j'en fais.
Après, libre à vous de confirmer ou de contredire ce que je viens de dire. Si vous voulez, on va arrêter là pour le test de Gnome. Qu'est-ce que je veux dire? Quel environnement de bureau on teste la prochaine fois? Alors j'ai eu des commentaires qui m'ont dit « Oh, ce serait bien que tu testes i3 ». Bah oui, mais i3, je le connais pas du tout. Donc il faudrait que j'apprenne à l'utiliser avant de l'installer. Et pouvoir l'utiliser un minimum quand même. Parce que je ne sais pas trop comment ça marche. J'ai essayé une fois, mais j'étais un peu paumé. Ne serait-ce que pour lancer un terminal, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Mais promesse tenue, si j'arrive à dompter l'environnement de bureau, je le ferai. Sinon, à part i3, qu'est-ce que vous voulez que je teste? LXQT? LXDE? Bon, même si LXDE il est un peu mort. Si, j'ai vu dans un commentaire Openbox. Ça vous entrait peut-être Openbox? Dites-moi. Et puis, je m'adapterai. Parce que là, j'ai vraiment pas trop d'idées. Et si, voilà, pour poser la question, pour répondre à la question de personnes qui vont me dire « Ouais, t'as pas mis à jour Mageia, tu fais n'importe quoi. » Donc je vous montre ici, grâce à Sophie qui est présente sur le canal Mageia Linux Online, IRC, hein, Gnome Shell pour Mageia 5. Il est disponible en version, donc dans Core Release, en 3.14.3. Donc c'est ce que j'ai testé. Enfin là, on voyait 3.14.2. Et il est disponible dans les dépôts de mise à jour en 3.14.3, révision 8.1, donc c'est une correction interne à Mageia, mais c'est toujours la même version de Gnome Shell qui est utilisée. Hein. Donc sur ce côté-là, voilà, je ne vous mens pas, même si j'ai pas mis à jour Mageia, on a le même Gnome. Voilà, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera sans doute pas la prochaine sur un environnement de bureau, tant que je ne me suis pas décidé. On verra où le vent me portera, comme dirait Noir Désir. Allez, ciao !